comme vous venez de voir, je suis en plein studio. Je fais le remix de mes premières chansons que j'estime que on n'avait pas mis tout ce qu'il fallait. Mais quand je me concentre pour travailler, il y en a qui sont toujours là pour me déconcentrer. Parce que les souhaits, c'est que il faut qu'ils se lèvent un matin et qu'ils apprennent que on a poignardé Longué Longué, ou alors Longué Longué est mort, ou Longué Longué a fait l'accident. Ou Longué Longué a fait l'accident. Ils sont nombreux. J'ai déjà dit, j'ai tout fait, j'ai appelé Manol Lap, que dis à ton fils de quitter derrière moi, de ne plus toucher mes choses. Il a appelé son fils, lui demander que tu as quel âge? Longué Longué à quel âge? Qu'est-ce que tu cherches derrière lui? Il a envoyé son oncle Manon Lapchier. Manon Sabi me déteste comme Calibri Calibro déteste Pobia. Okay. Ouais. Va dans le jardin. S'il te plaît. Merci, tonton. Manon Sabi me déteste comme Calibri Calibro déteste Paul Biya. Comme Vassero déteste Samuel Eto'o. Comme qui encore? Manon Sabi, la dernière fois que j'ai eu à l'interpeller, je disais à Maman Chantal ici, qui est une dame qui m'a soutenu quand j'ai eu les problèmes ici en France, qui était venu me donner 5 000 euros, qui m'avait envoyé 5 000 euros pendant mes problèmes. Et comme un bienfait n'est jamais perdu, j'ai dit à Maman Chantal que je ne sais pas ce que j'ai fait à l'enfant là. Je lui ai déjà dit, ne touche plus mes choses. Quand je fais des bonnes choses, il ne partage jamais. Ou alors, quand je fais des bonnes choses, il va seulement, il cherche ce qui peut me créer des problèmes. Il coupe, il prend ma photo, c'est-à-dire il met un titre violent pour qu'il apprenne que si on peut me faire du mal, on le fait. Parce que pour lui, pour Manon Sabi, c'est moi qui avais tué Kabanandji. Il a dit à Mondio Vision que si on va bien regarder, que c'est Longué Longué qui a tué Kabanandji. C'est ce que Manon Sabi, le neveu de Manon, a dit à Mondio Vision. Parce qu'il est dans une bande de gens qui veulent que s'ils se lèvent un matin, ils apprennent que Longué Longué est mort. Il est dans la bande avec Fingon, avec Fleur de Lille. Ils sont tellement nombreux. Amer Kamer, ils sont nombreux. Le souhait, c'est qu'il faut qu'ils se lèvent le matin. Avec Pifo, avec Compressor, ils sont tellement nombreux. Les gens négatifs. Vous me voyez encore parler sur Facebook? Est-ce que vous me voyez parler sur Facebook? Je ne vis pas. Vous, c'est Facebook qui fait de vous ce que vous êtes là. Si on supprime Facebook là, vous êtes fini. Si on supprime Facebook, vous êtes fini. Gobela a commencé à s'attaquer à moi. Et à un moment, il a compris que mes Longué Longué n'avaient pas tort. Vous voyez comment il raisonne, Prince Aimé. J'ai déjà tout fait, dit à Manon Sabi, arrête. Arrête. Manon Sabi est toujours derrière moi. Je viens de voir un truc là, vraiment, je suis en studio, ça m'a déconcentré. Ça m'a déconcentré, parce que je suis dépassé. Manon Sabi quitte derrière moi. Tu as demandé l'ongunda en Italie comme homosexuel. On ne t'a pas donné. Tu as quitté, tu es allé demander l'ongunda au Luxembourg. On ne t'a pas donné. Maintenant, comme tes choses ne marchent pas, il faut que tu t'accroches sur les gens. Comme tu es toujours en train de parler avec les gens que j'ai cités là, votre trio de gens qui me veulent du mal, sachez que moi, je suis l'enfant de Dieu. Chaque fois que vous allez penser que le mal m'arrive, vous allez voir ce qui va vous arriver dans votre vie. Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Continue à t'attaquer à moi et tu verras ce qui va t'arriver.